Salut à tous, ici Top Pirate, on se retrouve pour l'event Kimono et Absalom en Transtamina. On va commencer par l'event Kimono. Alors, je vais faire cet event en... Alors, je vais vous montrer ma team dès que ça charge. Ok, avec en compo double Monster Chopper. Et donc, je vais choisir cette team-là. Voilà, composé vraiment, voilà, il n'y a pas de douce-up, c'est vraiment du full burst, des très très gros personnages force, donc strange. Excusez-moi pour mon anglais. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne avec cette compo. Donc comme vous, je le découvre avec vous. Ça devrait passer. C'est vraiment une team où je dois pas prendre beaucoup de dégâts. Où je dois prendre aucun dégât même, je dirais. Pour l'instant, je OS tout en 30 stamina, donc ça va. Ok. On a défoncé le cuistot. Ok. OS. OS. Pour l'instant, j'arrive à tout démonter tranquillement. Pas de soucis. Je garde une orbe. Ok. Très bien. Ok. GOS a chill le pauvre. Il l'a pas aimé. Et nous voici au mini-boss qui est Zoro. Bon. Je l'ai découpé également. Donc ça passe très bien pour l'instant en double Monster Chopper. Alors là il s'est régène et il a fait qu'au bouffer. Donc ça va, je pense qu'il va crever maintenant. Donc alors Luffy quand même, parce que je vous en dis plus, c'est vrai que moi je suis en mode rush, j'explique rien, je dis rien. Luffy a la particularité de se buff à chaque tour, et donc à chaque tour il va augmenter son attaque. Et en plus je les loot. Bon bah voilà, je loot Luffy, je sais pas à quoi il sert, mais on va voir s'il est utile. Donc je vous disais que Luffy, faut le battre le plus rapidement possible, ou avoir Usopp pour stall, et pour gagner des tours, parce qu'à chaque tour sinon il va se buff et gagner en attaque, et à la fin il peut faire mal. Ok, j'ai loot un mob, je sais pas à quoi il... Mister 8, ok, je savais même pas qu'il existait. Alors il y a des books sympas, il y a des books de Nami qui est à loot aussi dessus. Ok, le chara design est sympa, hein, des mobs kimono. Réduit la durée de l'espoir, ok, bon. C'est pas vraiment un mob intéressant. Ok, des books Mister 3, ça peut être utile pour ceux qui l'ont pas maxé. Et des books Sanji, ok. Très bien, on va passer à Absalom. Alors Absalom, je vais le faire pareil, mais avec une team bleue. Qu'est-ce qu'on a comme capitaine bleu? Est-ce qu'on en a déjà? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait... Oh là là. Il n'y a pas de capitaine allié bleu. Et c'est là qu'on se dit qu'il faut vraiment qu'on recrute des amis. Parce que là, nous des amis, ils ont tous... Ça me fait chier. Il n'y a pas de personnage bleu. On recharge un petit peu. Bon, je vais prendre... par dépit et défaut, je vais prendre... Jaws, et je vais partir avec cette team-là, donc une team full bleue, avec Boa en capitaine. Allez, c'est parti, on va essayer de rush aussi, il est tard. C'est vraiment pour vous donner un aperçu du truc, du stage. Ok. Ça me fait quand même bien chier que qu'il n'y ait pas de bon capitaine bleu. Ce que j'appelle un bon capitaine bleu, ça peut être un Thatch, ça peut être un Ace, ça peut être une Boa bien sûr. Même un Capone, j'aurais préféré que cette merde enfin que Jaws, excusez-moi. Donc je fais en sorte de garder des orbes bleues sur mes persos les plus forts, donc Boa et Killer. Je sais plus c'est où, je crois que c'est sur lui d'ailleurs, il loot des Boo Killer. Donc ça peut être très intéressant vu que le spécial de Killer est assez énorme. Ah, lui il fait de la résistance. Lui je crois que c'est un personnage, c'est un stage caché lui. Ok.
C'est le zombie, je sais pas quoi. Général zombie, je crois, il s'appelle, le mob. Bon, je les loot direct. Ok, on garde les orbes tant qu'on les a. Parfait. Ok. Pour l'instant, il n'y a aucune difficulté, en tout cas en team bleu. Donc, quickly. Ok, il me fait dépenser les orbes, j'aime pas ça. On arrive sur le boss. C'est parti. Donc, ouais. Ce qu'il a fait en fait, c'est que on n'a plus les aides pour faire les perfects. On n'a plus les animations qui aident pour faire les perfects. Et ça, c'est assez dérangeant, c'est vrai. Ce que je vais faire là, c'est que avec Usopp Log, je vais lui rajouter 2 tours dans les têtes. C'est tout ce qu'il mérite. Et on va essayer de se concentrer pour faire quelques perfects. On va voir si on gère. Merde. Bon, je suis quand même pas mal, hein, je me débrouille pas trop mal. Ah ouais, je suis chaud hein, quand même sur le perfect sans l'aide. Je m'envoie des fleurs, hein, comme vous voyez. Mais je m'étonne moi-même, Master Chi. Ok, alors qu'est-ce qu'on a looté ici? Ok, boucle du général zombie, on s'en fout. Le général zombie, on s'en fout aussi. Et encore des boucs général zombie. Ok, que de la merde donc. Alors qu'il y a des boucs, je crois, intéressants comme Killer et un autre personnage intéressant, je crois. Je vais vous dire qui tout de suite, on va le vérifier. Ah, Sanji. Sanji, jambe du diable. Ça peut être assez intéressant, mais bon, c'est pas le plus intéressant. C'est vraiment le bouc de Killer. Bah, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un com, ça fait toujours plaisir. À plus.